Est-ce que vous êtes dans le milieu? Je suis plutôt en périphérie, en fait. Journaliste? Poète. OK. Puis qu'est-ce que vous faites comme métier? Si j'avais voulu, je serais devenu juge. J'ai eu des bonnes notes en secondaire 2. Ça suffit pour devenir juge, des bonnes notes en secondaire 2. C'est un prérequis. Je finis ça, les livres, la poésie, non? Ah, ben c'est ça, mais fais ton grand poète maudit, puis va dormir en dessous du pont avec tes amis les hobos. Pour notre recette, réconfort. Ah, maintenant, je me rends utile à la société en faisant du sous-titrage. Connais-tu Evelyne? Elle a gagné le gouverneur général en... 98. Je pensais qu'elle était morte. Dommage, je commence à m'attacher. Bonjour, jeune homme. C'est un bon ami à moi. Un bon ami? Un poète, man. Il habite avec vous autres, Astor? Je sais pas trop où est-ce que ma mère l'a ramassé. Toi, là, t'es-tu connu? Si je voulais être connu, j'ai vraiment mal choisi ma vocation. Je pense qu'il m'adore. Tu travailles-tu sur quelque chose en ce moment? Les chamois. Les chamois? Les croches, des wobos qui vivent en dehors du bon monde de tout. Ah, OK. Une œuvre autobiographique, donc. Hein? J'aime mieux mourir debout que de vivre à genoux. De quoi tu parles? D'aussi loin que mémoire soudaine, les pas du cœur sont comptés. Ma jeunesse en cendres, la voilà. À présent, je viens à vous. Aimez-moi. Voyez les traces aux semelles, c'est tout ce qui reste. N'en soyez pas étonnés. La foudre rejoint partout ce qu'elle aime, épargnant aux autres tel malheur ou certaines vérités. Tous ici, tous ceux qui habitent la peine et que la peine habite, aimez-moi comme on aime sa patrie. À travers les murs, au-delà des flammes, en l'espace d'un oiseau tranchant sa clarté, de l'océan jusqu'aux larmes, l'heure est moi que je sois consolé. À quoi ça sert de faire de la poésie s'il n'y a pas grand monde qui te lit? Je le fais pour ceux qui me lisent pas.